Ankwetyo. Be seated. Le président. Veuillez vous asseoir. The court is now in session. In today's hearing, we will hold the key document presentations on three of our sites. The first, Yanjiri Dam, the Kampong Chenang Airfield construction work site, and Trapeang Thmor Dam work site. Following the hearing of the testimony of witnesses relating to the three work sites, Ms. Sakalwati, please report the attendance of the parties and individual whom the trial chamber has invited to attend today's proceedings. Sakalwati, Mr. President, for the proceedings, all parties to the case are present. Mr. Munjie is present in the holding cell downstairs. He has waived his right to be directly present in the courtroom. The waiver of Mr. Munjie has already been delivered to the greffier. Thank you, Mr. President. The President. Now, the chamber decides on the request by Nunjia. The chamber has received a waiver from Nunjia dated the 26th August 2015, which states that due to his health reason, headache and back pain, he cannot sit and concentrate for long, and in order to effectively participate in future proceedings, he has requested to waive his right to participate in and present in the courtroom on the 26th August 2015 hearing. Having seen the medical report of Nunjia by the duty doctor of the accused at ECCC, dated the 26th August 2015, notes that Nunjia has chronic back pain, and when he sits longer, that situation exacerbates. For that reason, he recommends that the chamber grants him his request and allow him to follow the proceedings from the holding cell downstairs. So, based on the above information and pursuant to Rule 81.5 of ECC internal rules, the chamber grants Nunjia leave to follow today's proceedings remotely from the holding cell downstairs. AV units are now instructed to link the AV from the holding cell downstairs to the proceedings today, and that applies for the whole day today. As per the memorandum of the trial chamber, document E315/1 dated the 17th December 2014, the trial chamber emphasizes that the trial chambers will hold the key document presentation hearings as has been done in case 02/01. In order to allow the parties the opportunity to present key documents relevant to the facts in the proceedings in each segment in case 002/02. This trial will also help the public to understand the key documents as well as the facts of the work site following the presentation of the key document of the Tramco Cooperative as well as Krang Te Chan Security Center dated the 27, 28 and 30th April 2015. The trial chamber has decided that it will hold the key document presentation hearings following the examinations of the evidence relating to the facts concerning the three work sites, that is the first Yanjiri work site, dam work site, the Kampong Chenang Airfield work site, and Trapeang Thmor work site. The Chambers has requested the party to select only limited documents and to avoid the document that has already been admitted or examined in detail in the previous proceedings. In order to ensure that these key
document presentation hearings proceed smoothly, the trial chamber has requested the parties who wish to present the document to the trial chamber and other parties to submit the document before the hearing on the presentation of the key documents and no later than 1:30 p.m. of the 25th August 2015. All parties have already submitted their key documents by the deadline of the trial chamber. As notified in the email by senior legal officer, of the 17th August 2015, the senior legal officer of the trial chamber notes that the trial chamber will hold the key documentation presentation hearing for 3 days on the 26th, 27th, and 31st August 2015 in order to present key documents relating to the three work sites. Today and tomorrow, each party will be granted the opportunity to present key documents concerning these three work sites. And on the 31st August 2015, the party will be given the floor to respond or observe on the key document presented by the parties. The Chamber wishes to remind the parties that the presentation of these key documents, the prosecutor and lead co-lawyer for the civil parties will have 1 day for the presentation, as for the allocation of time for each party, it depends on the mutual agreement of the two parties. Following which, the defense team for Nguyen Chia and Kieu Sompong will have half day each to present their key documents. Following the presentation by the two defense teams, the prosecutors and legal lawyer for the civil parties will have half a day to respond, observe on the documents of the two defense teams, and toward the end of the key document presentation hearing, the defense team or the accused will have half day to reply to the presentation by the prosecutor and lead co-lawyer for the civil parties. The trial chamber wishes to remind the parties once again that this documentation presentation is not is distinct from the presentation on the admissibility of the document. Une audience sur la recevabilité des documents. Because a party has already granted the opportunity to object in writing on the various documents submitted in case 002/02. Please refer to document E327. And parties should focus on the documents that are most relevant to the work site in a subsequent order, starting from the 1st January Dam work site, followed by Kampong Chenang Airfield work site, and the Trepang Tmo Dam work site, in order to assist the trial chamber in assessing the weight of the evidence toward the end of hearing in case 002/02. The trial chamber wishes to remind all parties that the documents relating to the context or the policy that may be related to the three work sites are the subject for further consideration by the trial chamber in the subsequent hearing. For that reason, as the case may be, this document may be the subject for the presentations in the holding of the key document presentation in the future. Il y aura des audiences à cet effet plus tard. I hand over the floor to the prosecution. Je laisse à présent la parole à l'accusation. To present their key document. Pour sa présentation. Please hold on. Veuillez attendre, je vous prie. Counsel Arthur Vercan. La parole est à maître the Arthur Vercan. The defense for Mr. Kieu Sompong. You may proceed. La défense de Monsieur Kieu Sompong. Oui. Yes, bonjour à la Chambre, bonjour à toutes les parties présentes, ainsi qu'au public. Je suis désolé d'interrompre, je vais essayer d'être très bref. Je m'attendais à ce que vous répondiez, Monsieur le Président, au mail que nous avons adressé hier soir à votre Chambre. En effet, en examinant la liste communiquée par les procureurs et les documents qu'ils souhaitent utiliser aujourd'hui pour cette présentation des documents clés, nous considérons que, eh bien, en fait, il
contreviennent à la règle que vous venez vous-même de rappeler à l'instant, à savoir que vous aviez déjà posé par le passé, à savoir que ces audiences sur les documents clés ne sont pas un débat sur l'admission en preuve de documents. Or, il se trouve que, et là, il faut bien que notre chambre prennent une décision. Nous avons plusieurs problèmes dans la liste communiquée par les procureurs. Nous avons le document D195.7 qui n'a jamais été listé par aucune partie, ni dans le premier procès, ni dans le deuxième procès. Il n'a évidemment jamais été admis en preuve. Ça, c'est le premier document. Nous avons ensuite un document E342.1 dans la liste des procureurs qui n'a été admis en preuve que pour une seule page, un seul extrait, accompagné d'une décision de votre chambre qui porte le numéro E342/3 dans laquelle vous disiez au procureur que s'il voulait utiliser d'autres passages de cet ouvrage, c'est un livre, eh bien il fallait qu'il dépose des requêtes sur le fondement de 87.4. Aujourd'hui, dans leur liste, je ne sais pas s'ils vont se contenter de lire uniquement cette page 8, ces deux pages 8 et 9 de l'ouvrage, mais ils ont déposé dans leur liste la totalité de l'ouvrage. Donc en contravention avec les prescriptions de votre mémorandum E342.3. Et enfin, je termine, nous avons 18 documents que les procureurs souhaitent utiliser aujourd'hui lors de leur présentation, qui sont des procès-verbaux d'audition issus d'enquêtes actuellement en cours, donc d'enquêtes des dossiers 3 et 4. Et comme vous le savez, parce que nous en avons saisi pour l'instant uniquement avec une copie de courtoisie, mais eu égard à l'importance de cette question, nous avons estimé qu'il était capital de vous informer de notre position sur les 1355, je crois, où nous en sommes à ce chiffre-là, des positions, des dossiers 3 et 4, toujours en cours d'instruction, qui sont versés dans ce procès par les procureurs ou qui sont tentés de l'être. Nous estimons que ces pièces sont versées, sont communiquées illégalement. Les seuls documents qui peuvent l'être, à notre sens, dans un cadre tel que celui-là, c'est-à-dire en cours de procès, sont des dépositions antérieures de témoins qui doivent comparaître ou alors sont des éléments à décharge. Et comme nous l'avons indiqué dans cette requête, il est clair, en lisant les écrits des procureurs, qu'ils transmettent ces documents parce qu'ils sont à charge en cours de procès. Et d'ailleurs, vous vous doutez bien, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, que si aujourd'hui, lors d'une audience sur les documents clés, les procureurs ont l'intention de lire des extraits de 18 de ces procès-verbaux, ça n'est certainement pas à décharge. Donc, avec la plus grande fermeté, nous élevons contre cette pratique qui consiste à laisser les procureurs faire ce que bon leur semble au mépris de toutes les règles que vous avez vous-même posées, puisque c'est votre chambre qui a dit que les documents qui étaient déposés en cours de procès par les procureurs qui venaient d'être reçus comme les procès-verbaux 3 et 4 sont uniquement ceux qui sont à décharge. Je vous demande donc d'écarter les 3 séries de documents que je viens de citer des débats aujourd'hui, enfin en tout cas de cette présentation. Je vous demande d'interdire au procureur d'utiliser D195.7, E342.1 et les 18 procès-verbaux portant la cote E319 et suivant. Je vous remercie, monsieur. Index E319 and following. Thank you. The President. Le Président. Mr. Prosecutor, you have any Monsieur le Procureur. Observation or response to the point raised by the defense team for Kyu Sampon? Observation de la défense de Kyu Sampon. Just briefly, Your Honor,
In relation to E342.1, in fact, the prosecution won't be using that document today, even though it was on the list. In relation to E195.7, that's a map, and it hasn't been admitted into the evidence. It's on the case file, but it's quite a helpful map. I assume the defense don't want the rules to be that stringent. It's quite a clear map. But to avoid the debate for the moment, we won't be using that map at this stage. But as far as the other 18 documents, those documents have been admitted. The next point is the defense is saying that the prosecution can't put forward inculpatory evidence. That's strange. That's the prosecution's job, to put forward inculpatory evidence, whether it's from a written record or whether it's from a contemporaneous document. Of course, that's the prosecution's role. Without going into details about what is exculpatory, what is inculpatory. I think one point I'd like to make is that I think we all know that when we look at the documents in this trial, there's elements that affect the reliability of other witnesses, and there's either strengthens the case or it weakens the case. That's the nature of evidence. But the idea that the prosecution can't put forward inculpatory evidence is very strange. This seems to be tied up with their motion that they put forward about not having this other evidence come into the trial. That's the subject of a motion, and the prosecution will respond to that, but that's certainly not. These documents are admitted, and the prosecution is able to put forward inculpatory evidence. That's its job. My colleague prosecutor may want to add one thing further about those 18 documents, because he's looked at them closely. Mr. President, I'll just add some details so there's no confusion on the status. This relates to the E319 documents. The prosecution made an 87.3 and 87.4 motion for the admission of those documents on the 25th of May of this year. No party responded to the prosecution's motion. On the 17th of July, the trial chamber granted the prosecution motion for the admission of all of the documents that are on the list. That reference is E319/22/1. And in paragraph 1 of that memorandum, the chamber noted that no party had responded to the prosecution motion. Thank you, Mr. President. Merci, Monsieur le Président. Just to clarify, since the prosecution appears to have the document ready, E319/21.3.19 is admitted too? Ce document a-t-il aussi été... Can you read that number again for me? Le procureur, pouvez-vous me répéter le RNI? E319/21.3.19. Your Honor, I believe it is. It's a lengthy annex. I would have to look through, but I'll confirm that before using it, certainly. Je vérifie avant de vous donner une réponse définitive. Très rapidement, Monsieur le Président. Very rapidly, Mr. President. Je voudrais dire que. I would like to say that. Bon, Monsieur le Procureur, qui m'a répondu en premier, fait semblant de ne pas comprendre ce que je dis. Bon, c'est son droit. Il dit que la charge des procureurs est de déposer des documents à charge. Mais bien sûr, c'est évident. Il n'y a pas de problème avec ça, nous l'avons bien compris. Simplement, il y a des règles procédurales qui veulent que les droits de la défense soient respectés. C'est-à-dire qu'il faut qu'au début de ces audiences, au début de ce procès, le champ du procès soit déterminé pour que la défense puisse se préparer. Et il n'est donc pas possible, sauf exception 87.4,
d'alimenter en permanence ce procès avec des preuves à charge supplémentaires. Ou alors, si on fait cela, ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas de procès. Donc, c'est une règle capitale. Donc, comme M. le procureur fait semblant de dire, mais comment ça, on nous interdit de communiquer des preuves à charge. On ne vous l'interdit pas, on ne vous l'a pas interdit pendant des années, pendant toute l'enquête, vous pouviez le faire. Là, aujourd'hui, on est pendant le procès, et pendant le procès, vous ne pouvez pas, et la Chambre vous l'a dit, ajouter. President, Atul Wagen, the Chamber will hear only the issue in relation to the documents la Chambre before us. You made a submission already, and it was responded to by the co-prosecutor a while ago. Court officer, please check the headset of Atul Wagen so that he can hear what I'm talking of. I can hear you now, Mr. President. Voilà, de toute façon, j'ai répondu. Nous avons donc déposé une requête dont vous êtes saisi. Ces dépôts violent les règles que vous avez vous-même posées, Monsieur le Président. Donc la question aujourd'hui, elle est urgente, elle est imminente. Que faites-vous? Les procureurs s'apprêtent à persister à violer les règles que votre Chambre a posées. Est-ce que vous les laissez faire? President, vous n'avez pas la parole express any other matters other than the issue in relation to documents que la présentation de documents. La parole est maintenant au juge Laverne. Bien, vous pouvez essayer peut-être de clarifier les choses. Je comprends que la défense de Que Sampan objecte à trois types de documents. Il y a un premier document qui est une carte qui n'est pas discuté par le procureur, qui n'a pas été déclaré recevable et n'est donc pas pour l'instant au dossier. Nous poursuivrons en temps et en heure sur cette carte. Il y a un autre document qui est le livre d'André Merta, pour lequel seule une page a été déclaré recevable au dossier. Pour le reste du livre, s'il y a des demandes, eh bien on appréciera également. S'agissant des documents E319, comme cela a été indiqué, et nous allons vérifier, mais apparemment tous les documents E319, à l'exception peut-être d'un, ont fait l'objet d'un mémo de la Chambre. De la Chambre en date du 17 juillet, ce mémo est donc le mémo E319/22/1. Ce mémo est une réponse à une requête faite par les coprocureurs en vue de la demande d'admission de ces documents comme nouveaux éléments de preuve. La Chambre a tranché. La Chambre a décidé de faire droit à cette requête, donc ces documents sont maintenant recevables. Il s'agit aujourd'hui, si je comprends bien de la part de la défense de Que Sampan, de contester la décision qui a été prise par la Chambre. Si c'est le cas, il faut le faire dans le cadre d'une demande écrite et elle sera examinée ultérieurement, mais pas à cette audience. Pour l'instant, à ce jour, nous sommes saisis d'une requête transmise à titre de courtoisie, ce n'est pas une requête officielle. Which is not an official motion. That is all we have received so far. President, the chamber now gives the floor to the co-prosecutors to present key documents. Merci, Monsieur le Président. Thank you, Mr. President. Madame et Messieurs les juges. Bonjour à toutes les parties et au public. Good morning, Your Honours, good morning to the parties and to the public. Je constate, Monsieur le Président, qu'il est 9h40, alors nous allons essayer de terminer avec les parties civiles aujourd'hui, mais on verra. Si on n'y arrive pas, on vous demandera peut-être de déborder légèrement sur le temps de demain matin. Je vais m'attacher au nom du bureau des coprocureurs à présenter des documents relatifs au barrage du 1er janvier. The first January dam, et juste après moi, les parties civiles présenteront leurs documents relatifs à ce même barrage et ensuite nous procéderons
de la même façon avec les deux autres sites. Je vais commencer par certains documents qui se rapportent aux considérations plutôt générales par rapport au projet hydraulique et d'irrigation au Cambodge démocratique. Ensuite, je m'attacherai à montrer certains documents, certains témoignages qui nous parlent des conditions de vie et de travail au site du barrage du 1er janvier, du 6 janvier. J'évoquerai très rapidement les purges qui ont eu lieu dans ce même secteur pendant la construction du barrage et je terminerai par l'évocation d'un certain nombre de visites d'étrangers ou de cadres du parti au barrage du 1er janvier. Party cadres to the 1st January dam work site. Je ne vais pas revenir sur certains documents qui ont déjà été montrés à certains témoins devant cette chambre, et notamment des vidéos, particularly videos, qui ont été montrées à Mi Lehu. Mais je voudrais tout de même commencer cette présentation de documents par montrer, me faire afficher à l'écran une vidéo. C'est la vidéo E3-3048R, qui est intitulé en anglais Building a Khmer Rouge Dam. Il s'agit d'une vidéo qui dure un peu plus de 4 minutes. Il n'est pas certain qu'il s'agisse d'une vidéo prise sur le site précis de construction du barrage du 1er janvier en tant que tel. Mais les images montrent cependant bien la façon dont les barrages à l'époque étaient érigés. Et dans cette vidéo, on aperçoit également le visage de très jeunes adolescents participant à la construction de ce barrage. Monsieur le Président, est-ce que nous avons l'autorisation de faire jouer ces 4 minutes de vidéo. Play this 4-minute video. President, you can proceed now. Allez-y.
Merci. Une deuxième vidéo que je voudrais montrer, celle-là est très courte, elle dure 6 secondes. En tout cas, c'est un passage de la vidéo E3-2348R, qui est intitulée Khmer Rouge History of Genocide, Part 1. Et le passage que je voudrais montrer à l'écran est à la minute 35, 49e seconde, jusque 35 minutes 55 secondes. Pour nous, elle présente un intérêt parce qu'elle montre l'intérêt des dirigeants vis-à-vis des grands travaux d'irrigation. En l'occurrence, c'est Nunchia qui visite un barrage durant le régime. Monsieur le Président, est-ce que nous pouvons jouer ces 6 secondes de vidéo? Mr. President, with your leave, may this video footage be screened? President, yes. You can proceed. AV technician, please project the video footage as requested by the deputy co-prosecutor. Nuon Chia, secrétaire général adjoint du Parti communiste cambodgien. Voilà, c'est très court. On reconnaît Nuon Chia. Le document suivant est un document écrit E3-2412. C'est un article écrit par François Ponchon qui est intitulé Kampuchea. President, you have the floor now, Mr. Cooper. No objection, just a question for clarification in relation to the first video. I would be obliged if the prosecution would give the particular seconds of the fragments in which young people or children they have in mind so that we can look for it ourselves. Pour que nous puissions consulter par nous-mêmes. Bien, au titre de précision, Monsieur le Président, il s'agit de l'entièreté de la vidéo qui peut être trouvée sur Xylab, donc de la première à la dernière seconde. J'en viens maintenant donc à cet article de François Ponchon intitulé « Kampuchea, une économie révolutionnaire ». Il est daté de janvier 1979. Dans ce document E3-2412, François Ponchon analyse notamment la place des grands travaux d'irrigation dans l'économie cambodgienne. Un premier extrait se trouve à la page 1 dans les trois langues. En français, c'est 00-41-07-65. En anglais, 00-59-85-19. Et en khmer, 00-81-23-43. Je cite. Conscient que seule l'indépendance économique assurera une véritable indépendance nationale et que les seules richesses naturelles du Kampuchea sont d'ordre agricole, dès leur victoire, les leaders révolutionnaires ont lancé tout le peuple dans, ouvrez les guillemets, l'offensive de la production, fermez les guillemets. Ouvrez les guillemets pour défendre et construire le pays, fermez les guillemets. Seconde étape de la révolution. Un peu plus loin, sur la même page, François Ponchon dit ceci, je cite, selon le dicton révolutionnaire, on fait la guerre avec le riz, on fait la rizière avec de l'eau. C'est donc la réalisation d'un vaste système d'irrigation du pays qui a mobilisé la quasi-totalité de l'énergie du pays durant ces trois dernières années. Fin de citation. Et Ponchon continue en citant la propagande Khmer Rouge de l'époque. C'était la page 2 de ce même document dans les trois langues. Il dit, depuis avril 1975, ouvrez les guillemets, le Cambodge tout entier est un immense chantier, fermez les guillemets. Et ça, il précise en note que c'est un extrait d'une conférence de Yang Sari. Donc, le Cambodge tout entier est un immense chantier où le peuple travaille jour et nuit
sans craindre ni la fatigue, ni la peine. Fermez les guillemets, pardon. Tout le territoire se couvre d'un vaste réseau de digues et de canaux qui le transforme en un damier de rizières. Ces gigantesques travaux éviteront à la production d'être soumise aux caprices de la nature et permettront au peuple d'être, ouvrez les guillemets, maître de la terre et de l'eau, fermez les guillemets, ouvrez les guillemets, maître de la nature, fermez les guillemets, ouvrez les guillemets, maître absolu de l'eau en tout temps, pendant la saison des pluies comme durant la saison sèche, fermez les guillemets. En un mot, d'être vraiment maître du pays. Fin de citation. Poncho fait aussi référence à la visite des journalistes yougoslaves au Kampuchea démocratique, à la page 4 en français, 3 et 4 en anglais, et 4 et 5 en khmer. Il dit ceci, je cite, « En mars 1978, la délégation de journalistes yougoslaves a pu visiter une dizaine de ces barrages. » Et plus bas, je cite, « Dans la région de Baraï, ils ont visité le barrage réservoir du 1er janvier, qui coupe le Stungchinit, construit entre le 1er janvier 1977 au mois de mai de la même année. » Un peu plus loin, 23 000 jeunes construisaient le barrage réservoir du 6 janvier sur la rivière de Treng Krasseng. Poncho dit ensuite ce que les réfugiés ont déclaré à propos de ces grands travaux. C'était la page 5 en français, 4 et 5 en anglais, et page 6 en khmer. Je cite, « Cependant, pour extraordinaire que soient ces travaux, ils ne vont pas sans poser quelques problèmes. Souvent, les réfugiés rapportent que ce réseau de digues et de canaux sont construits sans études préalables, d'une manière anarchique, selon les humeurs des cadres locaux. Parfois même, ils ont dû détruire des digues nouvellement construites, certaines étant trop hautes, d'autres trop basses, n'assurant pas une bonne répartition des eaux. D'autres signalent des accidents. Les barrages de terre n'ont pas résisté à la poussée des eaux. » Fin de citation. Et enfin, dernier extrait, deux derniers extraits de cet article de Poncho. Il termine l'article en évoquant la discipline et le coût humain de la politique économique du Cambodge démocratique. Tout d'abord, à la page 17 en français, 14 en anglais, 17 en khmer. Et là, il cite à nouveau des slogans de la propagande khmer rouge. Tout le peuple est donc mobilisé pour lancer l'offensive de la construction du pays. Ouvrez les guillemets. Comme nous avons lutté contre les impérialistes américains, nous devons lutter pour construire le pays. Fermez les guillemets. C'est la même lutte qui continue. Tout le vocabulaire officiel dénote cette tension constante. Le travail est désigné par les mots lutte, attaque, offensive. Les réalisations sont saluées comme autant de victoires. Les chantiers sont des champs de bataille avant. Les coopératives sont des champs de bataille arrière. Les cultures vivrières sont des cultures stratégiques. La discipline ne permet aucun relâchement. Toute négligence ou manifestation de mécontentement est objet d'édification ou réprimande, ou le plus souvent est sanctionné par la mort. Fin de citation. Et enfin, pages 18 à 19 en français, page 15 en anglais, et page 18 en khmer, Poncho dit ceci, je cite, « Le peu de respect des facteurs humains et l'intransigeance idéologique qui ont caractérisé la création de l'infrastructure hydraulique compromettent sérieusement ses chances de succès. »
un petit peuple exsangue qui subit la révolution, plus qu'il n'y coopère, pourra-t-il assurer son indépendance politique face à un voisin si fort et si ambitieux que le Vietnam? Free translation. Dans le document E3-20, Elizabeth Baker, dans son livre When the War Was Over, Cambodia and the Khmer Rouge Revolution, elle émet le même type de réserve quant à la qualité des résultats obtenus. Le premier extrait se situe à la page en français 00638501-02. En Khmer 00232323-18-19. Et en anglais 00237945. Dans cet extrait, elle parle plus particulièrement du barrage du 1er janvier, qu'elle a visité lors de son passage au Cambodge en décembre 1978. Et je signale au passage, pour les besoins de la transcription, qu'Elizabeth Baker situe erronément dans la zone nord-ouest ce barrage au lieu de l'ancienne zone nord ou zone centrale. Je cite cet extrait. Les cadres de la zone sud-ouest avaient été chargés de faire en sorte que le nord-ouest se hisse, comme l'exigeait Pol Pot, à la hauteur de sa réputation de région dotée d'ouvrages hydrauliques remarquables et de rizières très fertiles. Pendant l'épuration, on leur imposa des délais rapprochés pour de nouveaux grands travaux d'irrigation nécessitant des équipes travaillant 24 heures sur 24, des décisions rapides et une multitude de bras. Les plans furent établis par des cadres n'ayant aucune expérience d'ingénieur et sans consulter les paysans connaissant la région. La construction du barrage du 1er janvier offre un bon exemple des résultats catastrophiques obtenus. Ce barrage fut construit en 1977. Le centre ordonna. Ce barrage fut construit en 1977, le centre ordonna qu'il soit réalisé entre la moisson de janvier et la saison de plantation de mai. Il devait irriguer 20 000 hectares de terre. Il n'y avait quasiment pas d'équipement mécanique disponible. Aucun bulldozer pour creuser, quelques camions seulement pour transporter la terre. Les communes des environs durent faire don d'équipes de travail, de milliers de personnes dépourvues de formation. Elles travaillèrent comme des fourmis, creusant la terre avec des pioches et des pelles rudimentaires, transportant des poids énormes de terre et de pierre dans des paniers de bambou suspendus à une perche posée en équilibre sur leurs épaules. Elles s'échinèrent 24 heures sur 24, s'éclairant la nuit avec des lanternes, mais terminèrent à temps. Et à la saison des pluies de 1978, le barrage se rompit. Un peu plus loin, je cite, « Quand le barrage s'est rompu, les gens vivant en aval, très peu protégés, furent inondés. Le reste du système d'irrigation demeura utilisable, mais de nombreux canaux ou étaient désalignés ou avaient besoin de gros travaux qui n'auraient pas été nécessaires s'ils avaient été construits correctement pour commencer. Mais de telles considérations n'avaient pas place dans les plans du grand bond en avant du régime, ni dans sa philosophie fondamentale. La conscience politique des travailleurs importe plus que les compétences techniques. Il y avait une ironie toute particulière dans le fait que les Khmer Rouge cherchaient leur inspiration en ce domaine dans l'époque
du royaume d'Angkor. Un peu plus loin, alors que les Khmers d'Angkor firent progresser les techniques en construisant des systèmes d'irrigation très perfectionnés pour l'époque, mais qui ne pouvaient toutefois prévenir la salinisation du sol, les communistes considéraient la technique comme secondaire. Ils parvinrent à reproduire le système d'esclavage de cette époque et pas grand-chose d'autre. Fin de citation. Le document suivant est le document E3-8026. C'est simplement un rapport de localisation de site concernant les barrages du 1er et 6 janvier établi par le bureau des juges d'instruction le 23 février 2009. Et à la page 2 en français, 2 en anglais et 2 et 3 en khmer. Il y a deux petits paragraphes que je vais lire. Bien que tout le système d'irrigation ait été amélioré et modernisé, le barrage d'origine existe toujours et s'appelle aujourd'hui projet de réhabilitation du réseau d'irrigation de Stungchinit. L'ouvrage moderne diffère de celui de l'époque des Khmer Rouges en ce sens que le bassin de retenue est une nouvelle construction et que les principaux canaux sont plus courts. Le bassin de retenue a été construit dans les années 90 pour éviter l'inondation des terres privées avoisinantes. À l'époque des Khmer Rouges, les eaux n'étaient pas retenues et toute la zone était inondée. Fin de citation. On a vu durant le procès l'importance de ces grands travaux et le caractère chaud de la construction du barrage du 1er janvier en saison sèche. Un autre document est le reflet de cette importance aux yeux de Pol Pot et du comité central. Il s'agit du document E3-1783. C'est un rapport. It is Phoebus, FBIS report, daté du 22 décembre 1977, qui est intitulé Récit de la visite au Cambodge de Chen Yung-Kwei. Et d'abord, il y a une petite phrase qui est rapportée par la radio chinoise, qui est prononcée par Rosnin à propos d'un autre barrage, celui de Trapeang-Tma Dam. Et qui rappelle que les grands travaux d'irrigation et de construction de barrages émanaient bien du centre du parti. C'est à la page en français 00606067666. En anglais 00409818181. Et en khmer 00659260. Il est dit ceci, je cite, « Le camarade Nim Rost, secrétaire du comité de la zone nord-ouest du PCK, a déclaré que le réservoir avait été construit en réponse à l'appel du comité central du parti demandant de construire de grands projets de rétention d'eau. » Fin de citation. C'est évidemment une allusion au plan quadriennal du comité central du parti. Toujours le même document, E3-1783. S'agissant alors du barrage du 1er janvier, l'article poursuit plus bas, continues, et c'est à la même page en anglais et en français, et en khmer, c'est 00-6-5-9-2-6-1. Je cite, and I quote, le vice-premier ministre Chen Yung-kwei a visité de nombreux autres projets de rétention d'eau. Pour commémorer le jour de l'offensive sur Phnom Penh, le 1er janvier 1975, les travailleurs de la zone centrale ont construit le barrage du 1er janvier, traversant le Chinit, et ont permis l'irrigation de 10 000 hectares de terre. Le camarade Pok, un membre du parti responsable de la zone centrale, a déclaré,
je cite, les moines bouddhistes avaient coutume de dire que seul Dieu pourrait construire un barrage sur le Chinit. Certaines personnes âgées demeuraient sceptiques lorsque des jeunes ont évoqué la construction d'un barrage sur le fleuve. Aujourd'hui, le barrage existe et de nombreuses personnes âgées sont venues le voir. Fin de la citation de Camarade Pott. Comme le secrétaire Paul Pott l'a si bien dit, je cite, les membres de notre peuple sont des dieux. Fin citation. End of quote. Je signale au passage que dans cet extrait, il est mentionné que le projet a permis l'irrigation de 10 000 hectares de terre, alors que dans l'article E3-24-12 de François Ponchot, question, en tout cas, les journalistes yougoslaves parlaient d'irriguer 30 000 hectares de terre. Et dans le livre de Becker, il était question de 20 000 hectares. And in Becker's book, ici, nous avons une version officielle chinoise and here we have an official Chinese qui version chiffre ce nombre d'hectares de terre à 10 000. Le document E3-1339 document suivant est un rapport de FBIS de décembre 1977. À la page en anglais 00168335, il n'y a pas encore de traduction française ou Khmer. C'est une page qui se trouve à la date du 8 décembre 1977, se trouvent les noms des autorités cambodgiennes qui accompagnaient Chen Yun Kwe lors de sa visite du barrage du 1er janvier, le 6 décembre. Il s'agit de Pol Pot, Von Vet, Kay Pok et Aum An. Il est mentionné dans cet article que des milliers de cadres et de gens les ont accueillis sur place. Monsieur le Président, j'en viens à une partie qui concerne des témoignages concernant les conditions de vie et de travail au barrage du 1er janvier. Donc, si vous voulez faire la pause maintenant, je pense que ce serait Site. So, if you want to break now, it maybe is a good time. The President, thank you. The time is now appropriate for a short recess, and the chamber will adjourn now and La chambre va suspendre l'audience qui reprend. Ciao.